Salut la famille, j'espère que vous allez bien. En tout cas, ça va tranquille. Aujourd'hui, je suis avec Myriam. Bonjour. Et Younes derrière la caméra. Bonjour. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo ouverture de colis. Ça va être une vidéo assez spéciale parce que la chose qu'il y a dans le colis, franchement, c'est du lourd. C'est vraiment du lourd. Je pense que c'est la chose la plus lourde qu'on ait eue sur la chaîne Food Familia à vous présenter. Donc franchement, ça va être un truc de malade. C'est pour Younes. Donc Younes, est-ce que tu peux donner un indice de ce que ça va être pour toi? Bah, ils vont le savoir au titre à la miniature. En fait, pourquoi je prends des nouvelles crampons? Vous allez me dire, t'as déjà les Adidas bleues. Elles sont mortes. Il y a un gros trou au milieu et. Elles sont mortes. Il y a un trou genre sur la chaussure et genre au bout ça commence à s'enlever. Donc du coup il est temps de changer de crampons. Donc on est parti, on va les ouvrir. Et c'est les crampons de Pogba, de Ozil. Mais par contre parce qu'à chaque fois les gens ils voient les crampons de Pogba, les crampons de Pogba. Est-ce que c'est les vrais de vrais? Bah oui, c'est les vrais de vrais. Genre, est-ce que c'est... Il y en a, ils vont me dire tu les as payés archi cher en fait et c'était à 200 balles et je les ai eu à moitié prix. Vous allez me dire comment t'as fait? On a fait une vidéo sur notre chaîne principale Code Familia, une vidéo comment gagner de l'argent sur AppNana. Donc allez voir. Je la mettrai en description si j'y pense. Mais je l'ai payé moitié prix en fait. Myriam, c'est quoi ton avis? C'est des crampons. C'est des crampons. Pour faire quoi? C'est pour faire quoi des crampons? Eh, n'oublie pas tout à l'heure, il y a la revanche dans la veille, dans la salle. Non, pas tout à l'heure. Pourquoi? Je suis pas chaud aujourd'hui. Hein? Je suis pas chaud aujourd'hui. Non, mais pas en vidéo. Vous avez vu les gars, même mes propres crampons, c'est lui qui les ouvre. Ouais, on est obligé. J'aime bien les ouvertures. Pousse-toi, Myriam. En fait, je kiffe les unboxing. Déjà, regarde juste la boîte. Aïe, est-ce que le Adidas... La boîte. Ah ouais, excuse-nous, c'est du lourd. Attends, essaye de pas trop te lever parce qu'il faut pas que je filme la fenêtre, ça fait un contre-jour après. Okay. Donc on est parti, on va ouvrir les crampons. Et bah, niquez ma surprise. Regardez ça, ça s'ouvre comme ça. Attends, déjà, est-ce que dans la feuille, il y a marqué des trucs confidentiels? Ouais, enlève-la, on s'en fout de la feuille de toute façon. Ouais, wow, c'est un gamin. C'est quoi, c'est... Hey, il prend... J'ai grave l'air, il prend les meilleurs trucs pour lui. Moi aussi je l'ai voulu. Bah lui les gars il a pris des mercuriales. Et donc c'est pour lui. Quoi, mec? C'est quoi? Un chausse-pierre. Et ils ont reconnu mon talent. Ils ont dit lui il faut le mettre bien. Oh là 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 là. Ils ont dit lui il faut le mettre bien. Pur contrôle. Ouais, c'est quoi, c'est un partenariat ou c'est comment? Non, c'est pas un partenariat poteau. On va voir la bête. Oh. Ils ont dit lui il a mis un coup franc, il a mis des buts ouf. Faut lui donner une bonne paire de crampons pour la suite. Excuse-nous. Oh là là. Donc voilà les amis, je vous présente les... Mais là, alors, ouais, je vous présente les nouvelles crampons du maestro. Laisse-moi les essayer. Hey, t'es quoi ta vie? C'est un chausse-pied. Tu sais, des fois dans ma tête, c'est pas contre toi, hein, mais des fois dans ma tête, je me dis, peut-être qu'il y a peut-être un petit moyen qu'elles lui vont pas et tu peux les un gros bâtard. Non, je rigole. Donc, est-ce que... Rapproche-les bien de la caméra. Moi, j'ai dit à Younes, hein. Dans pas longtemps là, je vais prendre les mêmes en noir. J'en ai rien. Eh les gars, elle a pris des mercuriales il y a un mois. Ouais, mais elles font mal aux pieds derrière. Ouais, bien sûr. Fausses. C'est pas les fausses, mais c'est la première gamme. J'aurais jamais dû prendre la première gamme. Touche pas, Myriam. Attends, passez-moi, je vais les filmer. Passe-moi-en une. Donc les gars, je vous présente la Ace 17+ ou 16+, je m'en rappelle plus. Ça, c'est pour les playoffs. Regardez comment elle est. Non, même pas, c'est pour mon plaisir personnel. Oh là là, donc hop. Sur le côté. Qu'est-ce qu'il y a marqué là? J'ai toujours voulu savoir. Contrôle. NSG. Ok, donc l'arrière, maintenant le talon, il est comme ça, et derrière, bon ça les gars, avec ça vous n'avez pas le droit de rater vos contrôles. Attends Myriam, je vais juste faire montrer un truc, est-ce qu'il n'y a vraiment pas de lacets? On va découvrir ça ensemble. Ouais, il n'y a vraiment pas de lacets les gars, je pensais qu'il y allait avoir des lacets ici, mais il n'y en a vraiment pas. Donc on va passer à l'essayage, j'espère vraiment qu'elles m'y vont. Donc la taille, c'est j'essaie. Arrête, tu es assis. Les gens vont t'insulter dans les commentaires. J'ai le droit, ouais, ils ne vont même pas, frère. S'il y a un chausse-pied, c'est fait pourquoi à ton avis? Eh hey, mais... Pourquoi t'as pas rentré à... Myriam, qu'est-ce que tu fais? Bon bah Myriam, elles lui vont très bien. Elles vont bien, ça va? Moi. Tu vas les prendre? Oui. Moi de prendre comme toi. D'accord, pousse-toi un petit peu, je vais regarder sur Yacine si elles lui vont. C'est du 46 les gars, moi j'ai des grands pieds. Normalement je fais du 45, mais en crampon toujours prendre une taille au-dessus. Ah, il faudra toujours le chausse-pied à mon avis pour pas passe, les... Passe. Pour pas les niquer. Tu sais qu'ils ont un chausse-pied, toi? Bah ouais. Comme ça, elles ont l'air d'être dures à mettre. Hein. J'espère qu'elles vont bien m'aller parce que les bleus que j'ai pris juste avant, elles m'allaient directement. Ah, regardez si elles sont bien. Pousse-toi, Myriam, s'il te plaît. Tu vas faire après ta vidéo, toi. Ouais, c'est trop grande pour moi. Elles sont trop grandes. Faut que je mette des chaussettes pour qu'elles m'y vont. Ok, parfait. Bon, vas-y, s'il te plaît, laisse-moi essayer mes crampons, s'il te plaît. C'est juste pour voir comment t'es dedans. Voir Barlow. C'est quoi un Barlow? Quoi? C'est quoi un Barlow? N'hésitez pas les gars à mettre un maximum, et les filles, un maximum de pouces bleus si vous trouvez qu'elles sont belles. Et dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous avez vous comme crampon.
On va les tester pour vous, vous inquiétez pas. Et ceux qui font pas de foot, dites-moi ce que vous trouvez, si vous préférez Nike ou Adidas. Moi personnellement, je trouve que pendant 10 ans, Nike ils avaient le monopole, tu pouvais prendre que des Nike, les Mercurial. Mais là, depuis ces 3 dernières années, Adidas ils reviennent en force avec cette gamme, les Ace. Il n'y avait pas que ceux-là. Tu sais, il y a quoi aussi? Celle de Lucas. Je sais pas si tu vois, c'est les. Ouais, les blanches. Bah, j'hésite entre ceux-là et ceux-là, mais j'ai voulu prendre ceux-là parce que ça fait longtemps que je les voulais. Ça, c'est les crampons de qui, ça? C'est pour un bon milieu de terrain. Un MOC. Un pet de numéro. Tu joues dans l'axe, que t'orientes sur les côtés. Après, les gens viennent te. Eh, il est bon, lui, avec ses crampons gris. Il est super bon. T'es-moi. Oh là là là. Attends, il est. Eh, rien que quand tu regardes tes pieds, t'es obligé d'être fort. Je sais pas comment t'expliquer, t'es obligé de bien jouer. En plus, il n'y a plus le. Tu vois cette languette là, tu vois tout le temps les gens courir comme ça avec la languette derrière ici là. Il n'y a plus le truc relou des lacets qui se défont à chaque fois. Excuse-moi, Younes, t'as les meilleurs. Voilà, t'as les meilleurs crampons. Vas-y, maintenant laisse-moi essayer s'il te plaît. Oh là là. Tiens, prends la caméra et laisse-moi essayer. Une dinguerie. Attends. Par contre, faut toujours garder le chausse-pied, non? Toi, je pense que tu vas lutter pour les mecs parce que t'as les plus grands pieds que moi. Ah, j'espère qu'ils vont m'aller. Hein. Si elles vont pas, je suis dégoûté. Non, ils font, mais juste pour les mecs, ça va être dur. Les gars, dis abonnez-vous. Pourquoi tu fais ça? C'est un chausse-pied, Myrem. Tu... Allez, non, ouais, si tu me le caches, je te jure, je te tue. Bon, tiens. Je vais prendre la caméra. Et moi, je vais en prendre une paire, c'est obligé. C'est obligé. Bon. Donc, vas-y, Younes, essaye ta paire de crampons. C'est plus que là, non? Ouais. Bon, c'est une tuerie. C'est une tuerie. Ah ouais. Juste derrière, regardez derrière comment c'est brillant. C'est en métal. Si je marche sur quelqu'un, il est mort. Tu vois, il y a marqué quoi? Regardez ce qu'il y a marqué ici. Hein. Je vous lis ce qu'il y a marqué ici. Attendez, toi, Myria, mais qu'est-ce qu'elle fait? Le revêtement chromé sur le bas de cette chaussure va s'user pendant le jeu. Mais cela n'a aucune conséquence sur la performance du produit. Donc en gros, ils ont dit que ça, quand j'allais jouer, ça allait s'user. Mais ça n'a aucune importance sur la performance du produit. C'est en chrome en plus. Ah merde, faut bien que je l'enlève par contre. C'est en chrome. C'est normal que ça va fuser, c'est du chrome. C'est un délire. Ça va bien enlever. Attends, on a d'abord mangé. Tiens, mets ça à la poubelle. Pas grave, de toute façon, comme le synthé va être mouillé. Ah, j'avoue, ça va se. L'herbe et tout, ça va être mouillé. Dans tous les cas, Myriam, ça va partir. Il faut toujours commencer par la droite. Regarde, regardez Myriam. Putain, fais n'importe quoi. Pas t'asseoir à côté de moi, Myriam. Et par contre, je vous donne un conseil, les gars. Avant de mettre vos crampons quand vous avez des chaussettes de foot. Casse la tête. Arrête, Dev. Sinon, tu fais pas la vidéo de la tablette. Avant de mettre les chaussettes de foot, vérifiez bien que vos chaussettes elles soient. Tu sais, faites bien comme ouais. Ça. Parce que des fois, sans faire frais, vous êtes comme ça et ça vous nique le pied ici. Donc avant de mettre une chaussette, vous vérifiez bien que tout est bien mis. Comme ça, quand vous jouez, vous avez pas la chaussette qui se barre en couille. Et après, vous êtes obligé de vous arrêter et d'enlever la chaussure. Donc c'est parti, on va les essayer. Comme vous le voyez, il n'y a pas de lacets, je vous l'ai dit. Est-ce que t'es impatient là? Est-ce que t'es. Ouais, t'as l'eau à la bouche? Non, elles sont pas serrées. En fait, faut que tu sors la languette. Sors la languette de devant là. La languette? Ouais. Celle-là? Ouais, ça faut que tu la laisses sortie. Et tu essaies de la rentrer comme ça, voilà. Voilà. Et après, tu tires. Voilà. Parce que derrière là, ça va pas se niquer. Hein, parce que moi, j'ai des grands pieds comme l'a dit Yacine. C'est la Zermi pour les mettre en vrai. C'est pour ça que je t'ai dit. Parce que moi, j'ai les Mercurial de Ronaldo, celles les montantes. Et à chaque fois qu'on va au stade et que je dois changer de chaussure, c'est grave relou. Même toi, tu vas péter un cap, tu vas voir. Ah oh ouais, laisse tomber ma gueule, c'est grave dur à mettre. C'est rentré là? Ah, ça y est, c'est rentré. Alors, c'est comment dedans? Ça va, c'est bien. Ouais, je pense qu'elles sont à ma taille. Elles sont à ta taille? Tourne sur les techos et tout? Oh là là. Juste mettre l'autre. C'est une tuerie. Ah, c'est lourd, hein. Putain. Comment ça, c'est lourd? Par rapport aux. Tu sais, les blocs que j'ai là, les Ace 15, elles sont toutes légères. Alors que ceux-là. T'es ouf, elles sont pas lourdes. C'est une différence. T'es marre, regarde comment elles sont pliables. Refais. Regardez les gars, comment c'est souple. C'est un truc de malade. On va essayer la deuxième. C'est grave adapté. Par contre, je te préviens que peut-être la première semaine, t'auras hyper des cloques. T'auras grave des cloques. C'est ça que je veux dire. C'est que demain, si on va au stade, Inch'Allah, mets-les. Je vais prendre mes bleus d'habitude. Et ceux-là, je vais les garder pour la dernière demi-heure quand on fait que du ballon. Moi, je te dirais de les mettre. Hein, parce pas faire que... de physique avec. Ouais, pas de physique, mais moi, je te dirais, mets-les un maximum avant d'aller à l'entraînement. Parce que moi, si je me rappelle ce que j'avais fait, j'avais grave des cloques. Et va commencer à aller à la pharmacie acheter des trucs de cloques. T'es sérieux là? Ouais, ça m'avait fait ça. C'est quoi? De quoi? Ça? Ah d'accord, ça faut le sortir. C'est la languette. C'est comme derrière, t'as une languette devant et une languette derrière. Ah ouais, ça faut en fait, faut bien. Ah ouais, t'avais raison. Je t'ai dit, c'est pour la mettre en fait. La gauche qui est un peu plus dure que la droite à mettre. Et pourquoi il y a des semelles là? C'est des semelles de rechange. D'accord. Ils ont pas fait les choses à moitié. À faire pour le prix que ça coûte, elles étaient à 200. Maintenant, faut les tester. À mon avis, tu dois avoir une de ces techniques. Quand tu regardes là, les petits trucs ici là, ça accroche la balle à mon avis. Ah, ça pour avoir un contrôle. La gauche, elle est serrée. Pour avoir un contrôle de ouf. Vas-y, lève-toi, marche quelques pas.
Marche vite fait en entrée. On dirait un cowboy avec ton truc qui sort derrière. Non, franchement, c'est une tuerie. Ah, faut maintenant que je les agrandisse. Parce que, en fait, moi, c'est comme tous les rebeux ici, c'est large dans mes pieds, tu vois. Donc, faut que ça s'agrandisse. Comme tous les rebeux. De toute façon, vous verrez si je fais du sale avec pendant les vidéos. Hein, mais normalement, je pense qu'il n'y a pas de raison. Parce qu'ici, ça accroche de ouf. Téma, comment ça accroche la balle? C'est-à-dire, quand tu la contrôles comme ça. Hey, je compte sur toi, tu mets des bonnes balles. Moi, avec mes mercuriales, j'accélère. Moi, poteau. Moi, en fait, mon rôle, c'est avec mes mercuriales, c'est d'accélérer tout droit, de mettre des grosses frappes. Lui, son rôle, c'est de, tu vois, contrôler la balle, écarter sur les côtés. Tu me fais des bonnes passes, hein. Fais-moi des bonnes passes. Une bonne semelle de qualité. Ça se voit, tu vois, c'est du dingue. On va la garder. On va faire un appel et je compte sur toi pour faire une bonne passe avec ces crampons-là. Bon, la famille, on va vous laisser là. On espère que la vidéo vous aura plu. Mettez, on va dire, envoyez allez. Envoyez vos crampons par Twitter aussi. Ah ouais, envoyez vos crampons par Twitter pour qu'on puisse voir vous avez quoi. Et à 5000 pouces bleus, Myriam, chut, à 5000 pouces bleus, on vous fait une vidéo test de ces crampons, test et review. Ouais. Et Younes, il vous dira ce qu'il en pense au stade. Allez, peace. Okay.